chaque année une belle rentrée des seniors, avec beaucoup de dynamisme, de plus en plus de monde, de plus en plus d'ateliers, de stands autour de l'accompagnement des seniors. C'est un rendez-vous incontournable pour les Montalbanais. C'est un lieu de rencontre, de partage, de convivialité. Et c'est là qu'ils peuvent trouver toutes les informations qui sont nécessaires pour leur bien-être. Je remercie tous les partenaires. Aujourd'hui encore, on en a 78 et on y trouve tout ce dont on a besoin pour passer, je dirais, une vie beaucoup plus agréable dès qu'on est détaché de la retraite. Ce nouveau projet qui vient d'être mis en lumière aujourd'hui, le top départ, le label La Ville Amie des Aînés, pour être toujours au plus proche et pour créer le lien social qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc l'objectif de cette démarche est bien entendu d'obtenir le label Ville Amie des Aînés d'ici 2025. Cette démarche consiste à établir un plan d'action autour de 8 thématiques. Nous aurons besoin de recueillir l'avis, les besoins et les attentes donc, des différents habitants. Donc c'est pour ça que un travail collaboratif, participatif et transversal est nécessaire. Nous allons organiser un séminaire qui réunira des élus, des partenaires et des services de la ville. Et ensuite, deux cafés rencontres qui permettront donc à des seniors ou pas de participer et donc de recueillir leurs besoins et leurs attentes. Pour avancer, nous avons besoin de vous.